sommes ravis de vous accueillir à la médiathèque aujourd'hui pour participer à la présentation d'un événement plutôt important dans la vie locale. Aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'accueillir l'entreprise Pilon qui va nous présenter dans le cadre de nos animations autour du textile. Vous savez qu'à la médiathèque, on vous a proposé plusieurs expositions autour du textile et du tissage dans le Pilat rhodanien. Donc, à cette occasion, nous avons demandé à l'entreprise Pilon, qui maintenant a une renommée plutôt nationale, voire internationale, de nous présenter le nouveau motif de, sa collection qui va être prochainement tissé. Donc ce motif est vraiment, tout le monde attend depuis un certain temps, surtout ces dames de la grande société, de la haute société, parce qu'il va plutôt déterminer la mode de l'année. Alors nous sommes le 12 mai 1935, donc on va dire le temps du tissage et des confections, l'année 1936 va être très riche pour la mode dans le Pilat rhodanien. Donc voilà. Alors à cette occasion, nous avons plusieurs membres de l'entreprise Pilot qui sont venus pour représenter ce motif. Donc nous avons monsieur et madame Pilot. Donc monsieur Pilot est le directeur de l'entreprise avec son épouse madame Pilot. Donc il garde jalousement ce motif très précieux dans son bureau depuis un certain temps maintenant et tout le monde trépigne pour le voir. Moi aussi d'ailleurs, je suis très impatiente. Voilà, nous avons également monsieur et madame Nem, donc Jean-Nem et Marcel Nem. Donc Jean-Nem est le graveur de l'entreprise Pilot, c'est lui qui veille au bon fonctionnement en fait du tissage sur les métiers dans l'entreprise. Et Marcel Nem est la contre-maîtresse de l'entreprise. Elle gère un petit peu toutes les ouvrières, un petit peu d'une main de fer, hein. faut pas trop l'embêter madame Nem. Et à cette occasion, nous avons fait venir la mercière de notre village, Françoise Maisonneuve, qui, pareil, une renommée maintenant, qui n'est plus à faire, qui utilise les tissus présentés, enfin tissés par l'entreprise Pilot, pour faire ses nouvelles collections. Voilà. Donc, je crois, monsieur Pilot, qu'il va être temps de révéler le motif. Messieurs, bonjour. Excusez-moi de vous interrompre. Pardon. Inspecteur Descoux, Jean Descoux, inspecteur de police. Vous vous doutez bien que ce matin, je ne suis pas présent pour la présentation du motif à la médiathèque de Pélussin, non. Je suis là pour des raisons évidemment professionnelles. Alors, ce matin, la femme de ménage de l'entreprise Pilot a découvert dans l'atelier le corps sans vie de la jeune ouvrière Jeanne Rigaud. C'est pas la preuve. Si. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, cet assassinat aurait eu lieu hier soir. Parce que oui, il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un assassinat. Tout le laisse à penser. Elle s'est fracassée le crâne sur un métier à tisser. Elle présente une marque sur la joue et la position de son corps ne laisse peu de doute sur le fait que ça soit un crime. Alors je vais avoir besoin de votre concours, messieurs, dames, évidemment, pour résoudre cette énigme, mais aussi de tous les protagonistes présents ici pour résoudre cette enquête. Je vais commencer par demander l'emploi du temps de chacun d'entre vous hier soir. Madame, mademoiselle Maisonneuve, que faisiez-vous hier soir? Hier soir, on était vendredi, donc du coup, je terminais mes robes pour le week-end. J'ai terminé mon travail, je suis partie à 19h. Et puis, le temps de rentrer chez moi jusqu'à l'autre bout du village, et bien, il était 20h, puisque je fais une heure pour rentrer chez moi. Et du coup, sur le chemin, j'ai rencontré quelques personnes sur le chemin, mais je ne les connaissais pas. Voilà, c'est ce que j'ai fait hier soir. D'accord. Madame Pilot ? Eh bien, monsieur l'inspecteur, nous, hier soir, mon mari, monsieur Pilot et moi-même étions invités à dîner chez des amis. Donc, hier soir, je me suis préparée en domicile. Et puis, j'ai attendu le retour de mon mari. Nous sommes partis dîner chez des amis. Mais moi, ce que je veux surtout vous dire, monsieur l'inspecteur, c'est que moi, l'usine, j'y vais jamais. C'est trop bruyant, trop sale. Moi, je préfère.
porter de jolies tenues et je ne tiens surtout pas à aller, m'égarer dans ce lieu. Donc je ne vais jamais aller. D'accord, entendu. Monsieur Pilot. Bien, moi, écoutez, j'ai terminé mon travail, comme ma femme vient de vous le dire. J'ai été la rejoindre et je vais monter dans le lieu. D'accord. Monsieur Même. Eh bien, l'usine a débrayé comme d'habitude à 6h30 et donc. Je suis rentré chez moi, ma femme a commencé à préparer la soupe, et puis j'ai mis de la lumière dans le bureau de M. Pilot et je me suis dirigé vers son bureau. D'accord, on viendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Oui. Madame May. Moi, à 18h30, j'ai rencontré Jeanne qui n'avait pas fait son travail. Donc je lui ai redonné pas mal de travail à faire. Elle devait rester là parce qu'elle avait du travail à faire. Et moi, je suis rentrée. Elle était toute seule à ce moment-là ? Elle était toute seule quand je l'ai laissée. D'accord. Entendu. Je vous remercie pour ces précisions. Je vous convoquerai tout à l'heure pour avoir plus de détails. Je vous remercie. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Là, la présentation positive a été interrompue. Je suis un petit peu décontenancée. Je crois que vous êtes les suspects. Je vais vous autoriser à choisir vos livres. Vous pouvez aller dans la médiathèque, mais ne sortez surtout pas de la médiathèque et tenez-vous à disposition si jamais... des personnes veulent vous interroger surtout. Voilà. Et donc, pour vous tous, je vais vous demander d'aider un petit peu Jean Décou parce que cette histoire a l'air un petit peu dure à résoudre. Va falloir en découdre. Hein, voilà. Alors, en fait, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous distribuer des fiches de jeu. Vous pourrez un petit peu marquer vos annotations. Vous pouvez participer en individuel ou en équipe, il n'y a aucun souci. Ce qu'on fera, c'est que je vais vous distribuer aussi des fiches de réponse qu'il faudra que vous remplissiez, que vous mettiez dans une urne qui sera à votre disposition à l'accueil de la médiathèque. Alors, régulièrement, donc, il va falloir que vous alliez questionner ces personnes qui ont l'air un petit peu louches, elles ont des trucs à cacher, elles ne sont pas bien nettes. Donc, il va falloir que vous alliez les questionner, mais régulièrement, vous avez l'enquêteur qui va leur demander des questions ici, qui va les convier ici pour leur demander des précisions sur ce qu'ils ont à cacher, donc tout un truc à cacher. Donc, à ce moment-là, je vous demanderai de revenir ici, de bien être très attentif à ce qui va se dire, parce que vous aurez certainement des indices qui vont être distillés à ce moment-là, et puis après, c'est à vous d'amener l'enquête. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon courage et une bonne enquête. Et je passe vers vous pour vous distribuer des fiches de jeu. Pour les interroger. Voilà. Vous pouvez prendre une fiche chacun, même si vous êtes en équipe. Voilà.